Le premier, signature d'un accord entre Google et la presse d'actualité française. Google lance un fonds d'aide à la transition numérique. Le premier toujours, un attentat suicide contre l'ambassade américaine en Turquie fait 2 morts. Au Pakistan, des attentats devant les mosquées font près de 20 morts. Le 4, identification du squelette du roi Richard III d'Angleterre. Le 5, assassinat de l'opposant tunisien Chokri Belaïd, s'ensuivent de massives manifestations hostiles au gouvernement actuel. Le 7, le tableau « La liberté guidant le peuple » est vandalisé au Louvre-Lens. Le 11, combat au Mali dans le massif des Ifoghas. Le 12, nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Le 15, une pluie de météorites tombe sur la Russie, faisant plus de 1000 blessés légers. Le 20, en Bulgarie, de gigantesques manifestations contre la vie chère poussent le Premier ministre à la démission. Le 28, démission du pape Benoît XVI.